Ambiance de fête ce matin à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Bonjour, nous sommes Léo. Heureux d'être là au moment où la RTI célèbre son cinquantenaire. Voilà, on regardait les choses de très très loin. On n'a jamais pensé qu'on serait là à organiser aujourd'hui le cinquantenaire. Énorme plaisir. Pour ses 50 ans, la télévision nationale s'est drapée de sa plus belle robe et l'ambiance était joyeuse. Plusieurs invités n'ont pas manqué de se prononcer sur cette célébration. C'est l'âge de la pleine maturité, de l'expérience. Et je pense que la RTI aujourd'hui, dans le domaine de la télévision et de la radio, est un média qui est en plein dans le métier, qui a l'expérience et qui a des hommes compétents, des femmes compétentes et qui a les moyens pour faire face aux nouveaux défis. Vous savez, nous avons posé des actes. Nos devanciers ont frayé le chemin, nous avons essayé d'apporter nos pierres à l'édifice. Nous sommes heureux, avec d'autres, il faut le préciser, nous sommes heureux de participer à cette fête. Mais pour que les téléspectateurs continuent à être au fait de l'actualité, dans les bureaux, on est encore à la tâche. Secrétaires, caméramans, journalistes, à la salle de rédaction, l'ambiance reste toujours quand même joyeuse.